c'est les Macadéborans, nous sommes à Rennes-le-Château. Nous sommes à l'église de la Bessonnière. Et donc là, on va faire la petite visite. Ici, notre ami Asmodée. Il a l'air de se porter bien. Une église qui a fait couler beaucoup d'encre. La Bessonnière était sujet à des forces contraires, des forces occultes, parfois maçonniques, parfois rose-croix, qui tour à tour se servaient de lui pour ses archives. Sainte Madeleine est là pour surveiller. Rennes-le-Château est comme une pieuvre qui attire les gens du monde entier. Cœur de mystère, où parfois le trésor n'est qu'un leurre. Car en fait, il y a autre chose ici, qui n'est pas dit, qui est occulté, qui est volé. Il ne s'agit pas d'un trésor physique, mais d'autre chose, mis sous le boisseau.